Shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes au jour 20 de notre temps de jeûne et prière. Il est question de parler de la lumière de Jésus vers le monde obscurci. Nous devons être la lumière de Christ qui éclaire le monde obscurci. Pour cela, nous voulons lire deux passages. Le premier passage est dans le livre de 1 Pierre 2, versets 11 à 12. Il est écrit: « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur cette terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Le deuxième verset, c'est dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Il est écrit: « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres, vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Quand nous lisons ces deux versets, nous avons une image claire. Notre lumière doit permettre aux gens, aux hommes de ce monde, de glorifier notre Père qui est dans les cieux. Nous sommes censés être la lumière de Dieu qui illumine le monde. Nous sommes censés être ceux-là par qui le monde reconnaît la gloire de Dieu. Frères et sœurs, nous voulons en ce jour 20 donc de notre jeûne et prière nous encourager à rechercher cette lumière. Mais comment la rechercher? À la rechercher d'abord par nos comportements. Nos comportements doivent être à l'image des principes divins. Nous devons marcher non selon la chair, non selon les convoitises de ce monde, mais nous devons marcher selon la pensée de Dieu. Nous devons marcher selon la pensée de l'Esprit. En plus de cela, par nos conduites et nos œuvres, nous devons démontrer au monde que nous sommes de nouvelles créatures, mais des créatures nées en Christ pour illuminer ce monde. Que le monde nous voit et que le monde glorifie notre Dieu. Je veux donc t'encourager à prier. Prier pour que ton cœur, ton homme intérieur soit illuminé par la présence de Dieu, par la puissance de Dieu. Je veux t'encourager ce jour à dire: « Seigneur, illumine mon cœur, illumine, Seigneur, les yeux de mon entendement, ouvre mon esprit, donne-moi, Seigneur, de me laisser conduire par le Saint-Esprit, de me laisser conduire dans la vision de Dieu. Donne-moi, Seigneur, quelles que soient les circonstances, de permettre, Seigneur, à ta pensée d'illuminer ma vie et ainsi d'atteindre ceux qui sont autour de moi. » La deuxième chose que nous devons faire, c'est prier le Seigneur pour que nous soyons des hommes d'action. Mais quel type d'action? Les actions qui sont les œuvres du royaume. La Bible dit: « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Que le royaume des cieux se recentre dans nos actes de tous les jours. Seigneur, je prie que tu influences ma vie, que tu influences mes actions, Seigneur, que tu influences mes paroles, Seigneur, dans mes actes de tous les jours, qu'on voit, Seigneur Dieu, ta gloire, qu'on voit la manifestation de ta sainteté dans mes actes de tous les jours, qu'on voit les œuvres bonnes qui viennent de toi. Seigneur, bénis ma vie, Seigneur Dieu, et que je sois une lumière, Seigneur Dieu, pour ma maison, une lumière, Seigneur, pour mes amis, une lumière pour mon entourage, une lumière, Seigneur, pour mon église, mais une lumière pour ma nation, Seigneur, que j'illumine cette nation à cause de Christ qui vient en moi. Shalom, bien-aimé, que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur ta vie, au nom de Jésus. Amen.